connecter et partager. Nous avons salué toute fan émission ça qui c'est MIG Info, information sur migration. Et nous sommes là. Nous sommes là. Connecter et partager, 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 partager. À tout contact nous avons sur le téléphone. Non? Ok, bien fait. Connecté, partagé à Soya, nous là, nous là. Nous allons parler de régularisation qui a terminé. Demain, si Dieu veut, nous allons parler de. Nous allons parler des bénéfices qui gagnent. Donc, la différence et les bénéfices qui gagnent, les gens qui ont visa définitif ici dans le Chili avec leur nationalité. Chilienne. C'est de ça nous allons parler à soi, partager et puis nous allons répondre à une question. You know? Partager la vla. À tout contact, nous gagnons sous téléphone. Partager, partager, partager. C'est ça que je fais là. Sur WhatsApp, je partage. Je demande pour nous partager. Tout. Partager, partager. Partagez, 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 partagez. Ah, tout contact nous gagne sur téléphone. Nous allons regarder qui j'en sais. Ok. Il y a 11 membres qui connectent. Partagez, partagez. Partagez, encouragez le travail. Partagez la blague. À tout contact. Junior, je salue. Junior, partagez. Dis-nous qui côté ou branché. Dis-nous qui côté. Ou connecté avec nous, on faut si monter caméra. Au moins. T'as de mon ouais, bon cognac. Perfect. On allait. Et songez, régularisation hein, a terminé. Demain si Dieu veut, demain c'est le dernier jour de régularisation. Hein? Et si on ne peut pas faire des demandes de visa, ça, mais regrette ça pour vous. Et la fin de demain si Dieu veut. Ça arrive demain tout, l'on va aller pour faire ou pas faire parce que trop de monde qui a monté sur la page là pour faire ça arrive la page là full. C'est cause ça qui ne pas permettre de faire remédier demain parce que demain c'est le dernier jour. Maintenant, tu as combien de monde qui peut battre pour entrer sur la page pour faire des demandes? C'est pour être ça, les gens qui ont dit combien de messieurs devaient, parce que la page là, frise, il y a un pile de bagages qui arrivent. Si on a des documents, qui veulent faire des messieurs devaient, je vais demander pour faire le bonnet, parce que vous ne connaissez pas qui est en sacré, pita. Si vous avez dit combien de moments ça là, notre ami ne peut pas récupérer encore. Yeah? Et demain après 6 mois, demain après 6 mois depuis que vous avez commencé avec le processus, là, demain c'est le dernier jour, demain la fini. Tout le monde qui fait demande visa ça, doit
Jouer une réponse, combien de temps? En plus, nous posons une question, combien de temps on a pour jouer une réponse? Réponse, donc, ou quand je prends une réponse sur 6 mois, sur 8 mois, sur 9 mois, sur 10 mois, ou bien on a joué tout sur 1 an. Parce que pour ces 6 là, document, l'offre de demande visa régularisation, document ça, il va là pour 6 mois. Ça veut dire, de vous faire et de tête faite, ou avez une réponse sans pièce problème. Copie à peu, je vous salue tous les fans, émission ça. Et cap coûte non copie à poste seulement à Junior Michel qui toujours branché qui toujours connecté avec nous. Merci Junior. Et régularisation déjà li fini. Demain si demain c'est dernier jour li fini. Tout le monde qui fait demande visa ça doit attendre réponse Exangelia qui réponse là a bini sous Gmail mon nan mon yo pas ka vérifier réponse Exangelia réponse visa régularisation migratoire là sous page Exangelia. Non. Ou pas carré le parce que son tramite qui a parlé sauf que sous tramite digital yo mette lien pas lien pour monter pour faire tramite appel ou pas carré vérifier ou pas carré ni son pourcentage ou vérifier parce que pas bien rien ou pas carré ni soit auto consultant parce que lycée en tramite qui a pas c'est pour être ça réponse là bien sur courrier c'est pour être ça tout l'offre demande là l'autre fait demande là ou joine automatiquement au fin faire demande là yo voyez résolution d'excent tabao qui se permet travail trois feuilles plus yon fait qui dit sollicitude c'est complobante qui ou fait demande visa ça qui c'est régularisation bien c'est terminé demain si bien pour régularisation migratoire là nous par contre qui l'en a joine yon encore partager live là partager à tout contact nous gagner sous téléphone l'autre bagage encore qui important différence qui gagne et avec visa définitif là l'homme qui a un visa définitif là qui ça est capable faire avec visa définitif là nous parlons pas de ça partager live là tout contact nous sur téléphone non c'est ça moi-même moi continuer faire là dans moment ça n'a pas parlé partager supporter travail là pas oublier sous besoin vos corps aller Haïti bah il transfert l'argent Mac multiservice à bon service à sous des chaises partager OK. Qui ça qui visa définitif? Nous connaissons bien qui ça définitif sauf que moi le font râler pour nous. Moi le font râler sur visa définitif. Visa définitif c'est dernier visa ici dans Chine. L'aime dire dernier visa c'est visa login ou pas non. Besoin contrat de travail ou pas besoin cotisation ou pas besoin rien pour renouveler visa ça. Dès vous fin gagner ou dans Chili sous sorti quitter Chili ou pas qu'à faire un an d'ailleurs. Sauf faire un an d'ailleurs, on a perdu. Ou qu'à faire 11 mois d'ailleurs, mais sauf faire un an d'ailleurs, on a perdu visa définitif. Ça a eu le visa pour 5 ans. Visa ça, c'est dernier visa. Ou pas, c'est pas bon premier visa qui c'est visa un an. Visa ça, visa un an pour jeune lycée, ou besoin de contrat de travail. Ou jeune visa définitif, ou besoin de contrat de travail, ou besoin de cotisation. Mais nous, sous fin de visa définitif, là, pour renouveler visa ça, ou pas besoin de rien pour avec contrat de travail, ou pas besoin de rien pour avec cotisation. On pas dit nous ça. Pour les nouveaux visas définitifs, pour nous pas continuer payer cotisation, pour nous pas continuer faire ça qui est nécessaire. Mais pour renouveler visa définitif, pas besoin. Ça veut dire ni contrat de travail, pas besoin, ni cotisation, pas besoin en rien pour renouveler visa définitif. C'est pour ça c'est dernier visa. Lorsque visa ça n'amont, ou libre, non Chili. Ou pas n'a faire n'a problème pour faire tramitation papier ou pas n'a bagage encore. Ou ka voter parce que le vin gen visa définitif là pour un nombre de temps pas avant sous 1 an on connait un message qui voye bon accès pour ka voter parce que le kounya li vin pas plus temps le vin gen visa définitif là ou ka voter après un nombre de temps et ou ka fait tout ça besoin en Chili avec papier ça la visa définitif yo ba pour 5 ans. Qui différence qui gagne avec nationalité chilienne?
l'on naturalise, j'en aurai l'île, donc on a peut-être mon abdi en Haïti, mon naturalise tel bagaille. Naturalise américain, naturalise chilien, on parle de naturalise dans le pays Chili. Mais si j'ai en forme de parler, qui papier mon a besoin pour pour naturaliser? Pour mon naturaliser, faut que l'y passe. Faut que l'y sorti dans visa 1 an, pendant l'y sorti dans visa 1 an, l'y poste pour visa 5 ans. Et puis, il joint visa 5 ans. Ça, c'est ligne temps. Ça, c'est l'espace de temps. Mon a besoin pour le capable poster pour nationalité chilienne. Les sorties dans visa 1 an. Les m'a fait demande visa 5 ans. Les joint visa 5 ans. Sous 3 ans ou bien 2 ans avant visa 5 ans a expiré, mon a capable faire demande nationalité dans le pays Chili. Il est capable faire demande ça. Pour le faire demander ça, qui papier l'a besoin? L'a besoin. Yon contrat de travail, yon vigène sa contrat de travail sur l'antiquité de la boule là. L'a besoin 12 dernières cotisations qui continuent, qui baguent la gouna. 12 dernières cotisations. L'a besoin 12 dernières cotisations affilées. Pelo sou gen plus ou 4 jours gen plus. Pelo requisite ou mande, yon dit fok moun nan ou biti gen 12 cotisations l'un après l'autre. Ou gen 12 cotisations l'un après l'autre. Antécédent pénal dans le pays Haïti, dans le pays où passeport, certificat visa définitif là avec Canel, sougen bien ici là, tout ça, ou gen machine qui sous nom, ou gen kay, tout ça, tout son support, ou gen ti moun qui fait ici là, tout ça, ou son support pour demande visa, pour demande pour capable faire demande nationalité dans le pays Chili. Ma prépren pour nous encore. Ou sorti dans visa 1 an, ou mande visa définitif, après un nombre de temps, yon bon visa définitif là, 3 ans ou bien 2 ans avant visa définitif là expiré, visa définitif là non seulement pour 5 ans, sous rempli condition, ou capable de faire demande pour nationalité dans le pays Chili. Sous pas rempli condition, ou renouvelle visa définitif là sans pièce problème, sous pas besoin de contrat de travail. Pero sous besoin de faire demande nationalité, ou a besoin pour publier 12 dernières cotisations continuées, ou a besoin contrat de travail ou vigène sa contrat de travail antécédent pénal dans le pays Haïti. Ou a besoin passeport qui peut expirer. Certificat permanence définitif là avec carnet définitif là. Cotisation de getan bio déjà AFP Fonasa. Et puis ou a besoin tout ce gain qui sont plus pour demande nationalité ou mettre. Sou gen ti moun qui fait ici ou mettre certificat de naissance ti moun nan. Sou gen bien ici ou mettre papier qui dit bio sou non. Pour capable faire demande dans pour plus sous ces professionnels ou mettre certificat pas un certificat étudou ou mettre la donne tout ça ou connaît qui ca en plus pour demande l'on mettre la donne pour bail papier voye au plus j'arrête processus ça li prend qu'il n'importe 2 ans ou plus que 2 ans pour bonne réponse si on approuve nationalité ou baoul qui ça ou ca fait ou vinn ca grand passeport chilien. Ou ap kavin changer visa définitif ou te gagnant qui te 5 ans qui te dit étranger, li pa pral di étranger l'ap di chilien kounya parce que ou naturalisé. Y a bon vont papier ba ou ke y a prouvé demande ou a papier sa pral nan registre civil, ou pral fè changement canéen et puis ou tout fè chan ou fè ou coucher ça rele passeport chilien. Ou vin gen nationalité chilienne. Kounia ou gen nationalité chilien. Qui ça? Qui quoi différence qui gen entre deux bagay ça? On te saute parler visa définitif, mais expliquer processus nationalité à l'offin gen. Est-ce que si m'gen visa définitif, mwen ka voyager al nan tout pays chilien ka voyager sans ou pa? Non, bon pour raison. Si m'gen visa définitif, est-ce que m'ka voyager al nan pays chilien ka aller avec visa définitif ici nan pays visa définitif là nan pays Chili. Par exemple nous connaissons chilien ka aller États-Unis, les ka aller Canada, les ka aller en France sans le pas besoin yon visa, l'aime pas yon visa, l'aime pas États-Unis gon visa le prend en ligne sans le pas besoin al faire demande visa dans yon consul dans ambassade j'en voulais reler là. Non visa définitif là pas permettre ou faire tout ou faire ça parce que visa définitif là li pas dit ou c'est chilien sauf que ou résider dans pays a ak yon visa définitif pour 5 ans ou pas ka voyager
tant que Chilien voyager dans un pays qui a accord avec le pays par là, parce que leur visa définitive pas Chilien. C'est leur vingt nationalité, hein, c'est le ça ou Chilien. Ou pour aller un passeport parce que l'on voyage, l'on va dans pays ça par exemple, pour aller au Canada, ou pour aller en France, ou pour aller aux États-Unis, qui ça a besoin, il a besoin d'un passeport qui dit c'est chilien. Mais le sous visa définitif ou pas faire demande nationalité, ou pas gagner nationalité, ou pas voyager dans pays ça avec Canada. Faut qu'on ait passeport qui vous permet de voyager passeport. C'est le ou gagner nationalité chilien, c'est le ça ou gagner passeport chilien qui ka permet de voyager étant que un chilien dans tout pays Chili ka voyager, un chilien ka voyager sans pièce problème. Est-ce que si m'gen bien dans pays Chili avec visa définitif, yo ka ban yon visa? Non, yo pa ka bon visa. Toute demande visa qui fait, c'est dépend de ça ambassade la mande. S'il m'a des papiers, vous voyez papiers, vous allez, vous allez analyser. Ce n'est pas parce qu'on vit au Chili, c'est parce qu'on gagne bien au Chili, il y a le bon visa. Non, il y a une équipe d'études pour faire pour être sous-qualifié pour le bon visa. D'ailleurs, moi, je connais une petite dame qui est haïtienne. Elle a une nationalité chilienne, elle a un passeport chilien. Elle voyage, elle a un sympathie, elle a un Canada. Elle voit le tourner. Ça dépend des migrations. Vous avez tout ça demandé. L'arrivée au déporto, il n'y a pas qui t'ont rentré, ça dépend. Il y a toujours des bagages, il faut poser des questions. Plusieurs fois, on a acheté des billets d'avion pour voyager. L'arrivée dans l'aéroport là, ou qu'on arrive dans le pays même, et puis on peut faire une interview avec le déporto. Il n'y a pas d'obligation parce qu'on a un passeport chilien dans le monde, ou libre pour entrer aux États-Unis. Non, ça dépend des consuls là. Ou qu'on arrive, il y a le PDI, il y a le palavo, et puis on pose quelques questions. La réponse ou bah yo ouais réponse pas fiable pour yo qui t'entrer sur territoire ou pas qui t'entrer. Ça veut dire pas qu'on garantit là dedans, pas qu'on garantit non bagay ça. C'est même genre pile chilien qui a parti qu'on y a là, ou pas avant chilien pas qu'on a les États-Unis, mais le ces derniers temps pile chilien la qui aux États-Unis elle travaille, parce que yo getan rent, yo getan ouais Chili bagay yo commence à dégénérer, c'est peut-être ça en pile chilien getan jeté yo, gien en pile tout yo pas qui t'entrer, c'est pas parce que c'est ou un passeport chilien dans mon. Ou pensez, tout pays, yon chilien ka rentre ou ka rentre la de non pa kon sa. Tout gen loi ou gen affaire ou apre, yon ka pa ki ton rentre. Ou ka gen nan tête ou, c'est pas parce qu'on gen passeport, chilien, ou libre pour rentre, non. Ajdan, m'ap salio bon de pam. Merci d'esko ou connecté. An ale, nou pale pour régularisation kap fini. Nous parlons sur visa définitif avec nationalité dans le pays Chili. De vous qualifier n'importe quel monde de nationalité. Visa définitif là tout, de vous remplir les conditions, vous avez toujours demandé visa définitif. Il n'y a pas de pièce problème là-dedans. Yeah. Ça, c'est une information que vous avez pour nous. Je n'ai pas de questions. Je ne compte pas de questions. Je n'ai pas de questions. Ça veut dire que tout est en forme pour nous. Je vous remercie chaque monde qui est toujours connecté, qui est toujours suivre l'émission Meginfo, qui passe sous TZ. Je ne vais pas dire chaque jeudi parce qu'il va passer chaque jeudi. C'est l'homme qui est disponible pour faire le bon. Et nous avons semaine qui vient pour nouvelles informations sur les affaires de migration. Bye bye tout le monde. Nous avons ciao.